Eh bien, bonjour à tous, c'est Agunama et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Pourquoi Minecraft? Parce que je vais lancer une nouvelle série tout simplement où on va s'amuser à faire des petites choses intéressantes que vous allez découvrir au fil du jeu. Vous pourrez bien sûr me donner des objectifs que j'accepterai ou non suivant l'objectif, mais le but étant de s'amuser. Nous sommes sur le modpack Attack of the Bitim. Donc sur le serveur sur le mode Attack of the Bitim, hein, pour justement quelques petites raisons, c'est que j'aime bien ce modpack, il est vachement utile. Donc voilà, donc on va tout simplement utiliser ce modpack et on va prendre du plaisir parce que c'est le but de l'émission. Donc voilà. Donc tout simplement, les buts dans les premiers épisodes sont des épisodes assez courts. Hein. Ça sera tout d'abord de s'établir et ensuite de commencer vraiment les objectifs. Alors, un objectif principal pour cette série, ça sera tout simplement de planter donc les fondations de notre ville qui sera la ville d'Azuria. Donc Azuria qui est je ne sais pas si ça existe dans certains RPG ou pas, dans un certain jeu en général, mais je souhaiterais créer donc une ville du nom de Azuria parce que j'aime bien inventer des noms ou pas, ou ça se trouve je l'ai entendu et puis je le répète tout simplement, mais je vais faire ça. Alors pourquoi Attack of the Bitim et pas tout simplement faire ça sur la 1.7.9 là en vanilla ou autre? Bah, Attack of the Bitim tout simplement parce que il y a tellement de modes utiles que je me sers, notamment les minions qui me font gagner un temps magnifique, tout ce qui est des systèmes mécaniques là qui permettent de tout trier automatiquement. Ça m'évite de passer des heures à faire de la redstone et à consommer des milliards de hopper là. Entonnoir, voilà. Non, tout ça, il n'y en a pas besoin. Donc voilà. Donc on va tout simplement, excusez-moi, commencer par s'établir. Donc je vous présenterai le mode si jamais vous avez des questions. Mais sinon ce n'est pas mon intention. Voilà. Faire tout de suite une petite hache avec la pioche qui va bien. Voilà, ça doit être bien. Donc il y a des minions qu'on va débloquer très rapidement qui vont me permettre de récolter des ressources beaucoup plus facilement. Après on aura la création, enfin avant de faire les minions, faut que j'ai de l'expérience pour les faire déjà. Après que j'ai fait donc les minions, il faudra bien sûr que je me fasse de la bouffe. Parce que les minions ça consomme beaucoup de bouffe. Et donc après qu'on ait fini les minions tout ça, on va commencer à construire notre maison qui sera normalement au centre du village. Donc par contre si vous connaissez un peu en... Tiens ça je prends. En serveur et tout, dites-le. Parce que j'aimerais bien créer le jeu, ou enfin le monde où je suis en train de jouer là en serveur pour que vous puissiez y rejoindre. Mais par contre j'ai essayé de toutes les manières, de toutes les façons d'avoir un truc intéressant, mais pas, il n'y a pas moyen. J'arrive à créer mon serveur, à jouer dessus, mais je n'arrive pas à faire rejoindre les personnes dessus. Je suis à combien d'FPS là? 37, ouais, c'est ce que mon petit cœur frappe ça. Ouais, donc voilà, donc si vous savez comment faire rejoindre, parce que j'ai essayé en donnant mon adresse IP, une adresse IP particulière, alors dites-moi franchement, sinon je devrais faire un truc autre, mais bon, ça m'emmerde un peu, ce que j'aurais bien voulu ne pas avoir à payer un serveur pour que vous puissiez rejoindre. Après, si y a que ça, tant pis, je le ferai.
Et pareil, si à ce compte-là, je peux payer un serveur, à ce compte-là, conseillez-moi des sites où je puisse justement mettre Attack of the B-Team. Ou une de mes parties, hein, comme celle-là, qui sera en tant que mode, tout ça, pour que vous puissiez y le rejoindre. Donc voilà, c'est un peu tout pour les annonces. Donc si vous connaissez ou vous connaissez quelqu'un qui le sait, donc dites-le moi. Ça sera sympa. Donc je pense que là on va commencer à pouvoir s'établir. Par contre pour les... J'aimerais bien avoir un peu plus de bouffe. Sinon je vais commencer à faire un champ de blé dès le début. Hein. Allez les bananes. Ah ça tombe pas à cause de l'arbre là. Ah, la récolte de bois, c'est toujours ce qui est un peu de long dans la série. Et non, je devrais en avoir assez après tout ça. Ah merde. Voilà. On a des bananes, des pousses de bananiers. On va pouvoir manger un peu. Ça, je suppose que c'est des baies. Voilà, vraiment, pour mourir de faim dans cette. En fait ça j'en aurais pas besoin, mais je suis trompé avec une autre plante. Pour mourir de faim dans cette série, il faut vraiment y aller parce qu'il y a de la bouffe partout. C'est vraiment bien. Voilà. Ça s'en fiche, ça c'est de l'herbe. Tournesol. Bon, on va commencer à établir notre base. Temporaire, donc je sais pas où c'est que je vais mettre les fondations de la ville. Hein. Pour l'instant, on va commencer doucement. Donc voilà, les petits épisodes tranquilles de 15-20 minutes. Donc là... Oh, il y a un bâtiment là. Oh là, j'ai un coup de lag. Il y a quelque chose, peut-être on va peut-être pouvoir y aller. S'il n'y a pas de sortir, ça nous éviterait de construire. Donc voilà. Il y a une sortie. On va lui péter sa gueule. Oups. On va s'en péter la gueule. On va lui péter sa gueule. Oh, on va s'en péter. Vas-y crève, pourquoi tu m'attaques quoi toi en fait? Vache, la résistance ça sourit. Bah, attends, bouge pas, je me fais une épée, je reviens. Si la nuit tombe, je suis dans la merde. Des sticks. Voilà. Et pas. Elle attaque pas, c'est bizarre. Voilà. Vas-y. Oui, m'empoisonner. Allez, elle m'attaque là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mode morph dessus. On va centrer. Ouais. On va centrer et on va attendre. Oh, il y a un coffre. Et on va attendre la nuit tranquillement. Enfin, on va attendre que la nuit passe. On va éliminer. Ah, des pommes, super, de la bouffe. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin là, dans les médias? Bah, j'ai besoin de me refaire des outils parce que je n'en ai plus. Voilà, une place vers une pioche dans les médias et on va aller tout de suite chercher des ressources. Moi je vais creuser dans la ligne droite là. Il faut une pelle aussi. Voilà, oups, lac, là, là. Tiens, on va utiliser la pierre. On n'aura pas besoin de la refaire ça. Hop. Non, c'est l'inverse. Tac, tac, tac. Ah merde, je suis en. Ouais. Covenwich. Ouais. On va revenir en Mabouin. On va juste faire ça. Voilà. Voilà. Et on va creuser là. Sur la table de craft, c'est pas un problème. Voilà. Il nous faut de la pierre de toute façon, et puis des ressources. Donc il nous faut creuser. Donc franchement, j'ai plein d'idées pour cette série, mais j'ai besoin de vous.
comme d'habitude. Donc vous me conseillerez, vous me donnerez des petits défis si ça vous intéresse. Vous m'expliquerez comment vous pouvez m'aider à faire en sorte que vous puissiez me rejoindre. Donc vous aurez la possibilité de venir sur mon serveur, d'interagir avec mon serveur, de construire vos maisons, vos villages. Vraiment, c'est le but de faire un village vivant. Donc voilà, donc il y aura des règles à instaurer, bien sûr. Donc j'aurai besoin d'ennemis, j'aurai besoin, enfin je serai l'ennemi normalement, et des modérateurs, ou comment on dit, ouais, c'est ça. Des personnes qui s'occupent, voilà, des flics, des mecs qui s'occupent des architectes pour la construction, des restoniens pour régler tous les problèmes des restones qu'il y aurait. Donc voilà. On a besoin de vous. Mais avant ça, il faudrait que j'arrive à créer mon serveur et que vous puissiez rejoindre. Donc si vous avez une technique ou que vous connaissez des vidéos qui montrent comment on fait et que vous avez testé et puis que ça fonctionne bien, envoyez-les-moi, j'essaierai, puis à ce moment-là, on fera ça. Et ça pourrait être intéressant. Très intéressant, parce que le but c'est de... Je commencerai un petit peu en solo le temps que je pose les fondations, mais le but c'est que vous me rejoigniez assez vite quand même. Donc voilà. Récolte le petit charbon qui va nous permettre de nous éclairer. Après, on va manger un coup. Le filon est vachement grand. Je vais passer à de la pierre parce que là. Excusez-moi. Une petite torche. On va mettre une torche dans les escaliers aussi. Voilà. On va juste faire une petite pioche en pierre. Alors, de la pierre. Clac. J'ai plus de stick. Clac. Voilà. Alors. Je m'en fais. Bien deux. Voilà. Ça, ça dégage. Donc, on ferme le tout. Oui, c'est vrai qu'on peut pas ranger avec eux. Voilà. Et on va se mettre des pommes à manger. J'ai un truc tombé là. Voilà. On continue à récupérer un peu de charbon. Hein. Il en faut hein, au début. Enfin, c'est une aventure Minecraft un petit peu basique au début. Hein. Mais il y aura de l'exploration, il y aura des découvertes de mods. Il y aura. Parce que même moi je les connais pas tous. Hein, donc ça déjà c'est bloqué par là, on peut pas passer. Obligé de contourner aussi. Excusez-moi, j'ai bâillé. Là aussi. Là on peut passer non plus. On va aller par là. Alors les couches ne comptent pas, si vous le savez pas. Mais les couches n'ont pas d'importance dans ce mode. Parce qu'on peut je pourrais trouver sur le diamant là tout de suite en fait. Ah, du fer, c'est ça qui m'intéresse. Alors j'espère qu'on m'entend bien. De toute façon le son du jeu normalement n'est pas trop fort. Donc voilà. Donc c'était une aventure Minecraft, je vous l'avais promis, elle a mis le temps à l'arrivée, mais bon, elle est là. Et donc voilà. Mais ça commence à être des épisodes assez courts, hein, d'une quinzaine de minutes. Donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. J'entendrai indirectement à la suite, je pense. Donc voilà, vous aurez la suite illico. J'aurais peut-être pas vu le commentaire entre temps. Je sais pas si vous accueillerez bien cette série, j'espère. Dans tous les cas, si je vois qu'elle fait un flop, bah c'est tout, hein, tant pis pour moi, hein, je m'amuserai à faire ce que ma petite ville dans mon coin, je créerai mon serveur discrètement. Donc voilà, donc bon c'est tout, c'était pour vous proposer, donc j'espère que ça vous plaira. Hein. On va aller faire fondre le fer, on va passer au niveau du fer là, rapidement, parce que je vais en avoir besoin pour tous les autres minerais. Donc la pierre, clac 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 clac. Alors je suis en mode normal, hein. Je suis pas en mode hardcore. Parce que si le but est de créer quand même un village et un serveur, si on meurt dès les premières. Enfin si le serveur se détruit une fois que je suis mort, c'est inutile. Si je commence à bien avancer ma ville puis que je meurs, ça ferait un peu rager. Donc j'ai décidé que non. Pas de mode hardcore. C'est quoi ça? Water Witcher, ouais, c'est de la Witcher, je verrai ça plus tard. La zone de craft du coup me dérange un peu.
Voilà. Allez, hop, un petit troisième, voilà. Clac, clac, les petits sticks qui vont bien. Et la pioche en fer, hein, voilà. Voilà. Donc on est parti, ça va foutre tranquillement. Comme ça on pourra taper dans les minerais qui nous dérangent. Voilà. Ah oui, ça c'est de la pierre encore une fois. Voilà. On va récupérer un peu tout. Les minerais, de toute façon, on s'en servira un jour ou l'autre. Hein, pour. Alors, est-ce que j'irai sur Galactic Craft? Je ne sais pas. Peut-être une fois qu'il y aura les multi, une fois que j'aurai fait mon village, tout ça. Pourquoi pas? Mais c'est pas dans les projets imminents. Est-ce que je vais utiliser tous les mods? Tous les mods que j'entends utiles. Du genre Thermal Expansion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oh là, le filon de fer sur lequel je suis encore tombé là. Impeccable. Thermal Expansion, il me semble que c'est le nom, je sais plus. Pour tout ce qui est des armes et de la forge, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais le faire ça aussi, pour rendre un peu le côté RPG. Parce que j'ai aussi mon but, hein, c'est de faire un village style médiéval, hein, je sais pas si je l'ai dit. Style médiéval avec des usines automatiques hein, pour les squelettes, les zombies, enfin tout ce qui est basique quoi. Aslam, pour maximiser un maximum le système de récolte. Donc voilà, donc c'est sur ça qu'on va se laisser. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Hagoun à Azuria. Hein. Donc au début ça va être un peu pataugeoire, mais bon. Ça va devenir quelque chose d'intéressant après. Donc voilà, donc on va se mettre voilà. Oups là. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, likez, commentez, abonnez, et on se dit à la prochaine, dans un prochain épisode, bien sûr. Allez, à plus.